bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 11 avril 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, petite philosophie du matin, aimer pour être aimé. Si l'on veut que les autres nous aiment, eh bien, commençons par les aimer. Si l'on veut qu'ils s'intéressent à nous, commençons par nous intéresser à eux. Si l'on veut des amis fidèles et généreux, eh bien, soyons-le aussi. Commençons par donner et l'on recevra. Belle philosophie, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé l'as de terre. Donc, nous sommes dans la suite de terre. Et la suite de terre, eh bien, ça parle des aspects matériels de l'existence, n'est-ce pas? Comme, par exemple, l'état de nos finances ou les moyens de gagner notre vie. Nous sommes alors maintenant dans la suite de terre, celle des deniers dans le tarot traditionnel. Eh bien, elle se concentre sur les moyens de, évidemment, gagner sa vie, puisque je viens de vous le dire. Par exemple, de payer ses factures, de subvenir aux besoins de la famille, etc., etc. Elle évoque aussi les activités quotidiennes, le travail et la quête de sécurité financière. Donc voilà pour la suite de terre. Qu'est-ce qui émane de cette carte? C'est l'abondance, des conseils judicieux ou de chance. Ça pourrait être aussi une opportunité professionnelle existante, un contrat lucratif, un achat important comme une maison ou un véhicule ou un terrain, un appartement. Donc voilà, la suite de terre, et elle est représentée, cette carte, par, elle fait référence à l'archange Azraël. Alors l'archange Azraël, il irradie littéralement la compassion, le réconfort et l'amour infini. Et bien pour cette raison, c'est l'archange à appeler quand on est en deuil, profondément triste et que l'on a simplement besoin de réconfort. Alors son nom signifie miséricorde divine, miséricorde divine. Il aide en tous les cas à trouver du réconfort, ce bel archange Azraël. Nous sommes dans l'as de terre. Eh bien, regarde devant toi, il pleut peut-être des pièces d'or. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous entrez dans une période d'abondance. Et cette abondance, elle est inattendue, vous ne vous y attendez pas. Il peut s'agir, eh bien, d'une augmentation dans le milieu professionnel. Il peut s'agir aussi d'une promotion. Il peut s'agir d'un nouvel emploi ou d'autres types de ressources, par exemple une personne qui vous offre son aide ou un contrat qui assure votre prospérité future. Vous pourriez avoir une certaine somme d'argent inattendue. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui vous présentera toutes les bonnes personnes pour concrétiser, eh bien, vos rêves, vos désirs. On va vous mettre sur votre chemin des personnes qui sauront, eh bien, concrétiser vos rêves. C'est une période vraiment qui est très, très, très propice pour investir dans votre avenir ou créer une nouvelle entreprise. Vous avez peut-être en tête de créer votre entreprise. Eh bien, là, cette lame vient vous dire que c'est le moment opportun
de la mettre sur pied, de la réaliser. On vous demande de prendre bien soin d'utiliser ces ressources à bon escient, en établissant un plan détaillé pour le futur. Ne pas foncer tête baissée, n'est-ce pas ? Il est important que vous ayez tous les tenants et aboutissants pour ce que vous allez mettre sur pied. Pour certains d'entre vous, bien pourquoi pas, vous avez peut-être une certaine somme d'argent, eh bien c'est l'opportunité, le moment est propice pour investir dans l'immobilier. Vous pourriez acheter une maison, acquérir une maison, une voiture, un appartement. Vous pourriez acquérir un terrain. C'est une chance vraiment extrême. Cette lame est vraiment très, très, très positive et elle pourrait aussi améliorer votre santé. Il y aurait une amélioration de votre santé. Alors l'archange Azraël, sous les traits du magicien, n'est-ce pas, vous rappelle que vous pouvez tout accomplir pour peu que vous vous appuyiez sur une énergie et des pensées positives. Profitez de son aide pour vous envoler vers de nouveaux sommets. Soyez toujours juste dans la justesse dans tout ce que vous faites. Ça, c'est important aussi. Ne rien faire derrière le dos en stumbling. Voilà, soyez toujours juste, correct, et vous récolterez ce qui est juste et ce qui est correct. Waouh, je pense que cette semaine, elle est magnifique jusque maintenant. Je pense que c'est vraiment très beau, des très beaux messages depuis lundi. Je termine avec l'affirmation positive. Mon corps mérite d'être aimé et respecté. Eh bien oui, mon corps mérite d'être aimé et respecté. Mon corps mérite d'être aimé et respecté. Eh bien, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.